Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est notre joie de nous retrouver ce midi pour votre rendez-vous. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier avec vous et pour vous. Merci de vous connecter. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe. C'est la grande majorité. Ceux qui se connectent à partir de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, de partout en Europe, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir du Canada et des États-Unis, c'est le matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon midi à vous tous des Caraïbes et des Antilles. Je vois la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane française. Haïti, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce midi à partir du continent africain. Je vois ceux qui se connectent à partir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de Togo, de Bénin, de Burkina Faso, de Mali, de Tchad, de Guinée, partout à l'ouest de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous tous du centre de l'Afrique. Je vois ceux du Cameroun, du Gabon, de la RDC, mon pays, des Brazzaville, Congo-Brazzaville, du Rwanda, Burundi, Afrique du Sud, de partout dans le continent africain, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Ce midi, nous voulons prier contre les esprits des cercueils. Il y a des esprits des cercueils qui attaque les gens. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Avant d'aller dans la petite exhortation, nous allons d'abord entrer dans la présence de Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est celui qui a vaincu le tombeau. Je parle de Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Il possède les clés de la mort et du séjour des morts. J'aimerais que ce midi, nous puissions élever le vivant. Nous puissions élever le Tout-Puissant. Nous puissions élever le prince de paix. Peuple de Dieu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, levez vos deux mains et commencez à bénir Jésus. Jésus le vainqueur, Jésus le tout-puissant, Jésus la résurrection et la vie. Commençons à l'élever, commençons à les bénir. Ce midi, nous t'élevons, le roi des rois. Nous élevons ton nom, celui qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Gloire à toi, le vainqueur de Golgotha. Gloire à toi, le ressuscité. Gloire à toi, le vivant. Tu vis au siècle des siècles. Tu étais mort. Tu es revenu à la vie. C'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi seul qui as vaincu la mort. Le seul qui a vaincu les esprits des cimetières, les esprits des cercueils, c'est toi. Tu possèdes les clés de la mort et du séjour des morts. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de rocher comme toi, il n'y a pas de sommet comme toi.
Sois élevé, sois glorifié. C'est midi, nous te levons. C'est midi, nous te levons. Le ressuscité. Nous élevons ton nom. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie, et qui vit au siècle des siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de monter dans la prière. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive des bénédictions de Dieu. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Ce midi, nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir de toute forme de désobéissance à la parole de Dieu. Nous allons nous repentir du péché d'orgueil. Du péché d'immoralité en acte ou en pensée. Nous allons nous repentir de toute chose qui n'a pas glorifié Dieu. Peuple de Dieu, mettons-nous à genoux et commençons à implorer la miséricorde de Dieu. Commençons à nous repentir de toute forme de désobéissance à la parole de Dieu. Repentons-nous de tout péché. Demandons à Dieu d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, renvoie la parole de grâce, mon trône d'amour, mon Dieu. Oui, je prêche, mais je prie en toi. Je m'arrête de ton Dieu, car je reconnais le péché, Seigneur. Je reconnais mon péché, je reconnais mon erreur, mon Dieu. Oui, je reconnais mon infidélité, je reconnais ton Dieu. Oui, je reconnais mon Dieu, je le reconnais, je m'approche de mon Dieu, Seigneur. Je viens pas ta croix, Seigneur, pour demander pardon.
Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Nous allons demander au sang de Jésus de nous laver, de nous purifier, de nous justifier ce midi, que nous puissions être agréés dans la présence de Dieu à cause du sang de Jésus. Commençons à prier, commençons à demander l'action du sang de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui purifie, le sang de Jésus, le sang du pardon de péché. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Purifie ma maison, purifie ma famille, ma puissance. Le sang de la réconciliation. Le sang de la rédemption. Le toi les pieds, le
par la puissance de ton sang, par l'autorité de ton sang, et c'est la gloire de Dieu, agissant à travers le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas la faute. Amen. Il est celui qui nous pardonne afin que nous puissions le craindre. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur qui nous a pardonné. Amen. Le sang de Jésus, son fils, le purifie de tout péché. La parole dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Amen. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans les combats que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de puissance puisse nous remplir, puisse faire son travail en nous. Lève des mains, dit Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle dans ma vie. Souffle dans ma vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Remplis-moi. 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 De ton feu. De ton feu. Remplis-moi. Remplis-moi. De ta puissance. De ta puissance. Remplis-moi. Remplis-moi. De ton onction. De ton onction. Esprit de vie. Esprit de vie. Prends contrôle. Prends contrôle. De toutes choses à moi. De toutes choses à moi. Communique-moi. Communique-moi. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commençons à demander la plénitude du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, remplis mon être. Remplis mon être. Remplis mon être. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta lumière. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta capacité. Remplis-moi de ta puissance. Comment la
Avant d'entrer dans le moment de combat, j'aimerais que nous puissions lire un passage de la Bible. Prière contre les esprits de cercueil. Psaume 116, le verset 4. Ceux qui sont avec nous en ligne, aidez-moi à écrire. Psaume 116, le verset 4. Nous pourrons lire les versets 3 à 4. Dans d'autres versions, c'est les versets 3 et 4. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Les esprits des cimetières, ce sont des esprits ancestraux qui poursuivent leurs victimes avec les intentions de mort, des destructions, des suicides et une vie complètement négative. Quand vous êtes victime des esprits des cercueils, on va constater les rêves fréquents des gens décédés. Que ce soit les gens de votre famille ou de votre entourage. Quand vous avez tout le temps les rêves des gens décédés, sachez que vous êtes victime des esprits des cercueils. Un autre type de rêve, c'est les rêves des cimetières, les rêves de corbillards, les rêves d'assister aux funérailles. Tout le temps, tu te vois, tu es aux funérailles, tu es aux funérailles. Ce sont les esprits de cercueil. Les esprits de cercueil font à ce que des gens vivants sont comme morts. Le phénomène des morts vivants. Une personne vivante, mais tout est mort dans sa vie. C'est le cas où vous entendez, rien ne marche dans ma vie. Tous les aspects, c'est au point mort. Trop, c'est trop. C'est midi. Ces esprits de mort, ces esprits de cercueil doivent te libérer. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons monter en prière. Nous voulons attaquer les esprits des cercueils. Jésus est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Amen. Les esprits des cercueils viennent dans des familles à cause des alliances, à cause des pratiques telles qu'invoquer les morts. Faire des cérémonies lors des décès d'un proche. Parler aux morts. Demander l'assistance aux morts. C'est midi. Nous allons renoncer. Nous allons révoquer. Nous allons briser toute alliance avec la mort dans nos familles, dans notre fondation. Au nom de Jésus-Christ.
Peut-être que tu as fait des rituels. Tu as parlé aux morts. On t'a lavé à l'occasion d'un décès d'un proche. C'est un esprit de cercueil qui est entré en toi. Nous allons renoncer à ces choses. Nous allons briser ces alliances. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite directement. Je renonce. Je renonce. Je révoque. Je révoque. Et je brise. Et je brise. Toute alliance. Toute alliance. Avec l'esprit de mort. Avec l'esprit de mort. Dans ma fondation. Dans ma fondation. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Commence à renoncer. Commence à révoquer. Commence à briser. Toute alliance. Avec l'esprit de mort. C'est dans la famille, c'est dans la fondation. Plus, dénonce cette alliance. C'est midi. Dénonce cette alliance. Il y a votre voix. Renonce. Révoque. Brise. Allez, tout ça.
été détruit au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce midi par le sang de Jésus. Yes. Tout autel qui demande le sacrifice dans ta famille, nous les faisons taire au nom de Jésus. Amen. Nous les faisons taire au nom de Jésus. Amen. Nous les faisons taire au nom de Jésus. Amen. Cet autel est renversé et brûlé par le feu de Dieu. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. L'amen de quelqu'un qui croit. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens. On a placé leur vie, on a placé leur destinée dans des cercueils. C'est pourquoi rien ne marche dans votre vie. Parce qu'on vous a placé dans un cercueil de la sorcellerie. Tu vas prier avec nous ce midi. Tu vas briser ces cercueils. Tu vas retirer ta vie. Tu vas retirer ton mariage. Tu vas retirer tes finances. Tu vas retirer ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite derrière moi, je brise, je et je retire ma destinée, mes finances, mon mariage, mes affaires, et tout cercueil de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Commence à retirer tes finances, commence à retirer ta vie, commence à retirer ta santé, et tout cercueil de la sorcellerie. Retire ta sécurité, retire tes finances, retire ton affaire, le cercueil de la sorcellerie. Ta santé être retirée au nom de Jésus. Amen. Je vois tes finances être retirées au nom de Jésus. Amen. Je vois tes affaires être retirées au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois l'étoile de tes enfants être retirée de ses cercueils. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole dit, les dons des noms lui donnent accès auprès des grands. Amen.
Dans la vie, il y a vos dons, il y a vos talents qui vous ouvrent la voie, qui vous donnent accès auprès des grands. Mais quand il y a l'esprit de cercueil, ça vient détruire même les talents. Ça vient détruire même les dons. Nous allons prier ce midi. Tous mes dons, tous mes talents, tous mes potentiels qui ont été détruits par les esprits de cercueil, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis vraiment tous mes talents, tous mes talents, tous mes potentiels, tous mes potentiels, tous mes dons qui ont été détruits, qui ont été détruits par l'esprit, le cercueil, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, au nom puissant de Jésus. Il va s'accommoder. Et donc, tes talents, de recevoir la vie. Recevoir la vie au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tes talents vont recevoir la vie au nom de Jésus. Amen. Tes potentiels vont recevoir la vie au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous sommes en train de monter dans la prière, frères et sœurs. L'esprit de cercueil attaque aussi notre santé. Quand cet esprit attaque notre santé, ça se manifeste sous forme de maladies. Des fois, des maladies bizarres et mystérieuses. Nous allons briser l'emprise de l'esprit de cercueil sur notre santé. Toi, esprit de cercueil, toi, esprit de mort, ce midi, tu libères ma santé. Amen. Tu libères ma santé au nom de Jésus. Sors avec ta maladie, sors avec ton infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Diable, moi, je brise. Je brise. L'emprise. L'emprise. Et l'esprit. Et l'esprit. Le cercueil. Le cercueil. Sur ma santé. Sur ma santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit d'infirmité. Toi, esprit d'infirmité. Toi, esprit de maladie. Toi, esprit de maladie. Lâche mon corps. Lâche mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de mort. Sors. Sors. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Libère. Libère. Toute partie. Toute partie.
tu as confisqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. On commence à commander à l'esprit de cercueil. De libérer ta santé. De libérer ton corps. De libérer ma santé. Et les tables de Saint-Esprit. Restaure ma santé, coule-moi et guéris-moi.
coule-moi et guéris-moi. Coule-moi et guéris-moi. Coule-moi et guéris-moi. Pouvoir de guérison de Dieu. Pouvoir de guérison de Dieu. Coule. 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 Sur qui dans mes veines. 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 Sur qui dans mon sang. Dans mon sang. Dans mon sang. Non. Oui, sang. De Jésus-Christ. Amen. Je vois le pouvoir de guérison de Dieu couler dans ton corps au nom de Jésus. Amen. Je vois le pouvoir de guérison de Dieu couler dans ton sang. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Je vois le pouvoir de guérison de Dieu couler dans ton corps. Amen. Couler dans tes veines. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Sois libéré. Amen. De toute oppression au niveau de ta santé. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis trois fois, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison ce midi, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison ce midi, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Il nous reste deux ou trois points de prière. Bien-aimés, il y a des cercueils qu'on a destinés pour enterrer les finances des gens. Il y a certaines personnes touchées, l'argent c'est difficile. D'autres, l'argent ne reste pas. Parce qu'il y a un cercueil pour enterrer tes finances, pour que tu puisses souffrir financièrement. Trop, c'est trop. Nous allons briser ce cercueil. Nous allons faire sortir nos finances. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je brise, tout cercueil destiné à enterrer mes finances. Au nom puissant de Jésus, je fais sortir mes finances. Je fais sortir mes finances. Au nom puissant de Jésus, mes finances. Sortez cercueil de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit la vie
et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Tu vas déclarer la vie. Tu vas déclarer la vie. La vie dans ta santé, la vie dans tes affaires. La vie dans tes finances. Au nom de Jésus-Christ. La vie dans ton mariage. Tu déclares, il y a la vie. Il y a la vie dans cette maison. Je déclare la vie. Je déclare la vie au nom de Jésus. Amen. L'esprit de cercueil, c'est l'esprit de mort. Nous devons remplacer la mort par la vie. Amen. Hein? Amen. Après moi, lève ta main droite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est midi. C'est midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Ma santé. Ma santé. Reçois la vie. Reçois la vie. Mon mariage. Mon mariage. Reçois la vie. Reçois la vie. Mes finances. Mes finances. Recevez la vie. Recevez la vie. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la vie de Christ. Je proclame la vie de Christ. Dans tous les aspects. Dans tous les aspects. De ma vie. De ma vie. Au nom puissant de Jésus. Ma santé a la vie. Ma santé a la vie. Mes finances ont la vie. Mes finances ont la vie. Ma carrière. Ma carrière. A la vie. A la vie. Mon ministère. Mon ministère. A la vie. A la vie. Au nom puissant de Jésus. À déclarer, déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare, travail, la vie. Déclare la vie. Je déclare la vie. La vie en Christ. La vie en Christ. La finance. Je déclare la vie. Je proclame 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 la vie dans ma maison. Je proclame la vie dans ma santé. Je proclame la vie. Ma santé, reçois la vie. 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 Mes finances, recevez la vie. Recevez la vie. Mes projets, recevez la vie. Mon travail, reçois la vie. Mon projet, reçois la vie. Reçois la vie. Ma destinée, reçois la vie. Mon étoile, reçois la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Dans ma maison, je proclame la vie. Dans mon foyer, je proclame la vie. Dans mon parcours, je proclame la vie. Dans mon voyage, je proclame la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Mon corps reçoit la vie. Mon corps reçoit la vie. Mon sang reçoit la vie. 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 La vie de Jésus. La vie de Jésus. La vie de Jésus. C'est cette vie-là que je proclame dans mes rêves, que je proclame dans mon sommeil, que je proclame dans mes nuits, que je proclame dans mes jours, que je proclame dans mes années, que je proclame dans mes mois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la vie dans mes pensées, je proclame la vie dans mes pensées, je proclame la vie dans mes sentiments, je proclame la vie dans mes désirs, je proclame la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va prendre le dernier point de prière. C'est la prière de supplication. Dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Chez midi, tu vas te décharger. Tu vas abandonner au Seigneur ses soucis. Ses soucis de mariage qui ne vient pas. Ses soucis de santé. Ses soucis des affaires qui ne marchent pas. Ses soucis concernant tes enfants qui ne se conduisent pas bien. Ses soucis concernant ton mari, ta femme qui se méconduit. Tu vas déposer ça entre les pieds du Seigneur.
lève d'une main, dit après moi, nous pouvons nous mettre à genoux. Seigneur, ce midi. Seigneur, ce midi. Je me prosterne. Je me prosterne. Pour te déposer. Pour te déposer. Tous mes soucis. Tous mes soucis. Je te dépose, les soucis de mes finances. Je te dépose les soucis de mon mariage. Je te dépose les soucis concernant ma carrière. Oh Dieu, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. À tes pieds, je dépose mes soucis. Je reçois ta paix. Je reçois ta paix. Ta paix dans mes pensées. Ta paix dans mon cœur. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à déposer. Dépose aux pieds du Seigneur. Dépose à ses pieds. Tes soucis. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que ton cœur lui parle, que ton cœur répand ton cœur devant lui. Dis-lui, dis-lui ses soucis. Cette chose qui te préoccupe, cette chose qui t'enlève la paix. Dis-lui, dis-lui, dis-lui cela, ma soeur. Dis-lui cela, mon frère. Toi qui es capable de me lever, Seigneur, me voici. Ce travail qui ne vient pas. Ce mariage qui tarde à se manifester. Cette carrière qui ne décolle pas. Dis-lui, dis-lui. Ce ministère qui stagne. Répands ton cœur devant lui, répands ton cœur. L'esprit des entrailles qui n'arrive pas. Le seul Dieu qui guérit, le seul Dieu qui sauve, le seul Dieu qui délivre, le seul Dieu qui éclaire. Dis-lui d'intervenir, dis-lui d'agir. Je dépose mes soucis à tes pieds. Je dépose mes soucis à tes pieds. Impose ta paix dans ma vie à ton Dieu. Impose ta paix dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Je reçois ta paix. Je reçois ta paix. Localise-moi ce midi, localise-moi le Seigneur Dieu et fais-moi du bien, console mon cœur, console mon cœur, localise-moi ton Dieu, localise-moi ton Dieu et bénis mon âme, bénis ma vie, bénis mon foyer, bénis ma maison, bénis mon mariage, bénis mes enfants, bénis mes voix, bénis ton Dieu, tout mon corps et toute mon âme, bénis-moi, bénis mes mains, bénis mes pieds. Localise-moi ton Dieu et visite-moi. Ainsi, opère le miracle. Opère le miracle. Opère le miracle, ton Dieu. Opère le miracle. Opère le miracle. Car toi, seul, ton Dieu, tu es capable de le faire. Tu es capable. Tu es le Dieu capable. Le Dieu capable, c'est toi. Le Dieu capable, c'est toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi. Et merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il a promis de prendre soin de nous. Il a promis, si nous lui déchargeons tous nos soucis, il va prendre soin de nous. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Commence à lui dire merci. Merci. Parce qu'il va prendre soin de toi. Merci parce qu'il va résoudre ses soucis. Dis-lui merci. Merci pour ce temps d'intercession et de prière. Merci, commençons Seigneur, à remercier le Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu m'as exaucé. Il est Alpha. Merci parce que tu as répondu. Il est Oméga. Merci, mon Dieu, parce que tu m'as béni. Merci parce que tu m'as guéri. Toi merci qui écoutes la prière, tu as donné la vie. Tu as promis de prendre soin de nous. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la victoire. Merci pour la restauration. Merci pour ta disposition, ton Dieu, ta disponibilité en ma faveur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci pour toutes sortes de bénédictions que tu as.
tu as mis entre ma main et à ma disposition. Merci pour ce nom puissant de Jésus-Christ que nous avons remercié Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur. Trois fois, victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain dans ce programme de midi pour clôturer notre semaine. Restez bénis. Merci de partager. Merci de réécouter et de faire ces prières, quelle que soit l'heure. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom dans vos maisons. Amen, amen, amen.